Si tu aimes bien mes vidéos et si tu souhaites soutenir la chaîne, suffit juste de s'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Salut, salam shalom les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Et regardez à quel point je suis excité, vraiment, je suis en train de vivre ma meilleure vie. Aujourd'hui c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne parce que c'est là, parce que je suis en train de vivre mon rêve tout simplement. Et aujourd'hui grâce à Konami, on va passer une journée entière Tata. Vous allez voir, ça va être un truc de ouf, c'est parti. Bon les gars, avant de commencer, je vais un peu vous présenter le programme de cette journée. On est ici en direct dans le Aoun Complex Training, le lieu d'entraînement de tous les joueurs de Manchester United. Tout le monde est passé par là, Cantona, Beckham, Ronaldo, tout le monde. On va d'abord rentrer à l'intérieur et tester le nouveau PES 2020 avec la licence Manchester United officielle. On va faire quelques matchs, on va jouer contre des adversaires et on verra si on arrive à avoir un niveau sur PES alors qu'on joue quasiment jamais à PES. Après ça, on ira à la présentation officielle de cette collaboration entre Konami et Manchester United où il nous sera dévoilé l'ambassadeur officiel de ce jeu. Et moi je mets ma petite pièce sur McTominay, je sais pas pourquoi mais je mets cette petite pièce dessus. Après la présentation de cette collaboration, on ira directement sur le terrain pour pouvoir s'entraîner avec les trois légendes de Manchester United qui sont Dennis Irwin, Andy Cole et Park Jing-sung. À eux trois, ça comptabilise trois ligues des champions, des dizaines de PL et des dizaines d'autres trophées. Ça va être juste ouf, ça va être incroyable. Le seul petit hic, c'est que vu que je suis tout seul, ça va être très compliqué de filmer des très bons plans. Ça va souvent être une caméra posée dans un coin où ça va filmer l'ensemble de l'entraînement. Ça va être très compliqué de pouvoir faire des très bons plans comme j'ai l'habitude de le faire. Bref, en tout cas, j'ai assez parlé. Je vous laisse suivre cette journée avec moi. J'espère que vous allez l'apprécier. C'est parti. I think that was the hardest bit to get right, those tattoos. Seeing them in game, I mean, it just looks splendid, right? Yeah, like I said, it looks amazing, you know. Like in real life. Bon les gars, avant qu'on passe à l'entraînement avec les légendes de Manchester United, on va faire un petit arrêt là sur le nouveau PES qui est pas encore sorti, qui va sortir le 10 septembre avec les nouvelles équipes de Manchester qui ont enfin leur licence. On va faire un petit match contre mon ami ici présent, on va le taper. Je vais le froisser quand même, Malik. Voilà, ne vous inquiétez pas, si je le froisse, vous ne saurez pas qui c'est, vu qu'on voit quasiment pas. Ok ? L'éclairage n'est pas bon. On fait un petit match, désolé encore pour l'éclairage, on se trouve dans une salle assez sombre. Ne vous inquiétez pas, il y aura plus de lumière dès qu'on passera son entraînement. Allez, les gars, c'est parti pour le match, on va lui fermer son clapet un peu. Pour vous dire, je joue jamais PES, hein, et lui, c'est un expert PES. Hein. Donc, dans tous les cas, si je perds, c'est normal. Si je gagne, c'est une merde. C'est allez, trop facile, déjà, ça fait des mauvaises passes. Trop facile ce jeu. C'est un coup de chance. Hein. Oh, c'est beau. Attends, je le laisse parce que tu connais. Non, mais il a un coup de chance. Il faut laisser les ralentis. Il marque d'entrée. Le okay, peuple okay. A besoin de voir. Non. La tête sous l'eau. La tête sous l'eau. La tête sous l'eau. C'est yeah. Terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ah, là, 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 là. C'est pas grave. Moi, je joue jamais à PES. C'est son métier. C'est heureusement qu'il gagne. Parce qu'il parlait beaucoup au début, regardez bien. Non, tu veux que je remette à l'avance, c'est toi qui parle là. Ouais, c'est un pro, nanana. Oh. Dommage, j'ai de la chance. Dommage. J'ai la chance, j'ai pas joué face au gardien. Et voilà. Je suis désolé mais t'as gagné avec beaucoup de chance. Je vous mets bien ici là, regardez bien le score. T'as gagné avec beaucoup de chance, je suis désolé, t'as gagné avec beaucoup de chance. Bon et c'est bon, on a assez joué à PES, maintenant on va passer à la partie entraînement avec les joueurs de légende les gars. 2-0 les gars, 2-0. C'est parti. Les gars, s'il vous plaît, regardez juste la puissance. Là, je te boot. Je repars dans un five, les gars. Centre d'entraînement de Manchester United. Hello. How are you? How are you, my friend? How are you? You good? Yeah, thank you. Hello.
to this man. To this man. You probably go out right now. Job. Always on the job. Always on the job. Good. That's the shot. Good. Yes. Oi. Ouais les gars, c'est la fin de cet entraînement. Je sais pas trop si on a pu avoir des belles images parce que j'étais souvent en train de jouer, j'ai dû laisser la caméra tourner sur un côté, donc j'étais pas forcément à la, aux commandes, donc je sais pas s'il y a des bonnes images. J'espère que l'entraînement vous a plu. Vous avez vu que voilà, j'ai joué avec Park, j'ai joué avec Irwin, c'était juste incroyable. Qu'on n'a pas pu jouer parce qu'il est blessé, mais c'était juste incroyable, vraiment sûrement le meilleur souvenir de ma vie. Ils sont là-bas en train de m'attendre là pour prendre une photo avec tout le monde. J'espère que mon ciseau a été pris parce que j'ai mis un ciseau à un moment incroyable. Donc voilà, c'était juste ouf, ouf, ouf. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce moment avec moi à Manchester en train de réaliser mon rêve vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros big up à vous. Si je fais ça là, c'est seulement grâce à vous. Donc merci, merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Peace.